Selon les Nations Unies, pas moins de 50 000 personnes ont fui le Soudan du Sud durant le seul mois de janvier 2017 pour échapper à la récurrence des affrontements qui minent le pays depuis 2013. La plupart se réfugient en Ouganda voisin, faisant état de massacres, de maisons détruites et de violences sexuelles. Depuis quelques mois, la ville de Kajokeji, par exemple, frontalière au sud de la capitale Juba, est quasiment devenue une ville fantôme à l'image de la violence des combats, des pillages et du quotidien difficile de ses occupants. Il y a quelques jours, la plupart des gens du comté de Kajokeji ont fui vers l'Ouganda en raison de l'insécurité qui sévit dans la région. Maintenant, certains reviennent pour récupérer leur nourriture et nous sommes ici pour les protéger. Nous ne voulons pas qu'ils perdent espoir. La rivalité politique entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar avait mené à une guerre civile courant 2013 avec plusieurs milliers de victimes. En 2015, les deux protagonistes ont signé un accord de paix aujourd'hui encore difficile à respecter de part et d'autre. Les Nations Unies se sont dites inquiètes par la situation à Kajokeji, malgré l'envoi d'une mission de maintien de la paix. Dans un climat d'incertitude et de peur, quelques rares habitants reviennent parfois sur place pour récupérer ce qu'il reste encore de leurs affaires des suites des affrontements. Les gens viennent prendre leur nourriture et d'autres choses. Certains craignent de venir et ceux qui ne parviennent pas à partir, ils sont toujours ici. Nous sommes avec eux et ils demandent au moins au gouvernement d'assurer leur sécurité. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance en 2011 avant d'entrer dans une spirale de violence en décembre 2013. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et a conduit 3 millions de personnes à fuir leur maison. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a récemment mis en garde contre un risque de crise humanitaire si le gouvernement et la rébellion ne parviennent pas au plus tôt à un règlement pacifique de la crise politique.